Voilà, c'est Medine. Medine, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère arabe. Tu vois, Medine, je le connais depuis qu'il est comme ça. En gros, il rappelait avec mon petit rap qui s'appelait Moody. Dédicace, il est à Toulon. Il joue au foot, il court. Puis Medine, lui, c'est la rigueur, la discipline et puis la machinerie. Vraiment. Vas-y, je fais ça. Tu mets Jeb, ils vont dire ouais, viens, Ben Laden. J'ai pas la gueule de l'emploi. C'est quand même notre responsabilité parce que c'est Divi Records qui a investi. Si tous les musulmans étaient des potentiels terroristes, la caméra elle aurait déjà sauté là tout de suite. Mes lèvres si t'es sourd, abandonne si t'es sous. Je suis venu répondre au coup mis par le dessous de ma ceinture de champion qui me serre l'estomac en espérant que le succès commercial vienne d'en bas. On a des cabarets 4x4 mais on roule en Twingo. Traverser les Carpates sur le dos d'un chameau. Comment soutenir le regard de ses proches quand ton salaire brut c'est leur argent de poche. Soit intelligent ou bien meurt en essayant. Soit victorieux ou bien meurt en combattant l'arme au point. C'est le micro dans le point que l'on progresse dans le classement, moi et mes hommes de coups. Au 10ème rang c'est la cohue, arrête de fouiller dans ma poche. Négro tu crois que je t'ai pas vu? Calmez-vous mes frères, soyez disciplinés. Reprenez votre place que l'on puisse continuer. Des ceintures d'explosifs contre le ventre, ils acclament la grandeur de Dieu et mettent fin à l'attente. Dans la pièce des fragments de peau se déchirent. Ce soir le lion est mort dans la vallée du Bangshee. Refaire le monde avec un peu d'imagination, en racontant le monde en dénonçant ses machinations. Abou Sana, Alassane, Konaté, mes couplets proviennent du don de Kunta Kinte. Micro canon pointé sur le jogging. Abou Sana, Alassane, Konaté, mes couplets proviennent du dos de Kunta Kinte. Micro canon pointé sur nos jogging, les mêmes qui finiront par faire buter Révérend King. Révisez vos cours MC à la ramasse, si le bateau du rap a coulé, moi je repars à la nage. Moi c'est ce que j'essaye de faire dans mon rap, tu vois. J'essaye d'aller dans des endroits où tout le monde n'a pas pied, tu vois, où est-ce que tout le monde ne peut pas parler de certaines choses. J'essaie d'aller un petit peu remettre le stylo dans la plaie des sujets un petit peu douloureux. Petit frère, c'est les cerveaux qu'on dégoupille, l'honneur qu'on rapille et l'histoire qu'on oublie. Le récit d'un canon sous l'oreiller, d'un ancêtre tiraillé, d'un savoir enrayé. À quelle école crois-tu qu'on fait nos armes? À celle de la vie où le coq est notre alarme. Une arme blanche dans une tête d'Afrique, c'est le retour de Rome, pas de nos droits civiques. Entendre et écouter, c'est là la différence. On ne meurt pas d'un trop plein de science. Intelligence, c'est le nerf de la guerre. L'impact des faits d'un cerveau révolvé. Besoin d'affirmer mon islam comportement. Besoin d'un esprit critique et d'un meilleur tempérament. J'ai bien besoin d'analyser l'information. Besoin de vérifier la source du journaliste en formation. Si on peut faire partager des choses, donner des références à des gens, inspirer des vocations, etc. Si on peut faire ça, c'est que du bonus pour nous. Celui qui se dit artiste et qui dit non, je suis pas engagé, c'est que de la musique, etc. Bah t'es un divertissement mon pote, t'es pas un artiste. Il y a qu'un sens du rap, c'est la revendication. C'est du Kerry James, c'est du Booba, c'est du Rof, c'est du Lunatic, c'est du Lino, c'est ça le rap. Écoute, musique sur table d'écoute, sur le fil du rasoir et au départ pour la coupe. La mort est cérébrale pour Mister MC conscient. Le médecin légiste a fermé les paupières du patient. Mais patience, tout vient à point, à qui c'est attendre. Méfie-toi des cadeaux qui t'attendrissent. Et si tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. Arabian Panthers, épisode 1. Si j'avais un conseil à donner aux gens, ça serait vraiment le sous-titre de l'album Djihad qui est le plus grand combat est contre soi-même. Donc avant de vouloir changer le monde, il faut savoir qu'il faut se changer soi-même, changer le mec que l'on croise tous les matins dans le miroir. Ça c'est mon credo quoi, et j'espère le transmettre au maximum de personnes. Voilà, donc c'est cool quoi.